Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors les filles, aujourd'hui je vais aller voir Slimane. Donc Slimane, c'est la personne qui est agent immobilier à Dubaï, donc que je vois tout le temps à chaque fois quand je suis à Dubaï. J'en profite quand je suis à Dubaï pour aller voir directement sur place ce qu'il propose en cours, donc comme projet quoi, qu'il y a en ce moment. Qu'est-ce qui est intéressant, etc. Et aussi. Pour vous partager à vous, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui veulent s'installer à Dubaï, il y en a beaucoup qui veulent juste investir à Dubaï. Donc je sais que ces stories-là vous intéressent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller le voir comme ça au moins. Je vais vous partager ça. J'espère que vous allez bien. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis avec Slimane. Donc Slimane, avant d'être agent immobilier, c'est notre ami avec Jamel. Exact. Voilà. Donc il vient de Rouen, de base, il s'est installé à Dubaï pour faire l'immobilier. Et aujourd'hui, Slimane il va nous expliquer un peu ce qu'il y a en ce moment sur Dubaï. Oui, exactement. Comme elle l'a dit, Anissa, je suis un ami de longue date, de Rouen. Je me suis installé à Dubaï il y a longtemps maintenant, ça fait 5 ans, et je suis dans l'immobilier depuis autant de temps quasiment. Donc j'ai ma propre structure, ok. Je ne suis pas un agent d'une agence, j'ai ma structure et j'ai sous ma tutelle plusieurs agents immobiliers. Le nom de l'agence s'appelle MHT Real Estate. Vous aurez probablement entendu parler de cette agence. Ce qu'on fait, c'est de l'expertise en investissement. Donc on vient présenter des produits qui sont conformes et qui correspondent à des critères financiers des investisseurs. Et parallèlement, on fait de la gestion locative aussi, c'est-à-dire qu'on gère les biens des investisseurs qui sont passés avec nous. On les gère en mettant des locataires et en faisant les entrées, les états des lieux, entrées, sorties, etc. Ça, on fait tout ça en interne. Aujourd'hui, on est venu voir un projet spécifique, c'est le projet Lapis de l'Azor, et on va plus en parler. Alors Slimane, là on est devant le projet, donc tu peux nous expliquer s'il te plaît? Oui, alors déjà dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi je vous ai ramené ici et pas ailleurs. Tu sais très bien que j'ai pour habitude de te présenter les projets les plus intéressants. Exactement. Du moment à un instant T. Ici, le projet Lazord du promoteur Lapis. Okay. C'est un promoteur qui vient concurrencer Samana. Okay. Samana, vous le savez, pour la plupart, c'est un promoteur spécialiste dans le développement des piscines privées à Dubaï. Et donc, ce projet, Lazord, vient concurrencer Samana dans la zone Dubaïland, donc juste à côté du Global Village. La particularité de ce projet, il y en a plusieurs. La première, c'est le prix au mètre carré. On est inférieur au marché là-dessus. Donc, le prix au mètre carré est inférieur à ce que propose Samana, par exemple. Le deuxième point, c'est le plan de paiement. On a un plan de paiement qui est ultra attractif. On n'a que 65% à donner avant la remise des clés. Et après la remise des clés, 35% sur 35 mois. Donc ça fait 1% par mois après la remise des clés. De toute façon, on écrira tout ça et vous comprendrez bien. En gros, en chiffres, vous avez 40 000 euros d'apport. Okay. Et 1 700 euros par mois à rembourser. Vous êtes éligible sur ce projet, sur du studio. Ce n'est pas la mer à boire. 40 000 euros de côté au lieu qu'ils dorment sur un compte bancaire. Vous les disposez là-dessus et 1 700 euros par mois, si vous êtes en mesure de les rembourser, vous avez un studio avec une piscine privée sur votre balcon, les amis, à Dubaï, qui va vous rentrer 1 200 euros par mois. Regardez les filles, ici il y a une mosquée. Donc tu nous as dit, on était dans quel côté de Dubaï? On est à Dubaïland, juste à côté du Global Village. On est dans le quartier qui s'appelle Majan, exactement. M-A-J-A-N. Okay, donc c'est à 7 minutes du Global Village. Okay. Et aujourd'hui, je le précise encore une fois, par exemple, JVC Arjan, ouais, sont des zones qui aujourd'hui vont proposer des plans de paiement ultra limités. Ouais. Tu dois tout payer avant la remise des clés. Et là, non, on a la possibilité, après la remise des clés, de payer. C'est ça. Par mois. Et c'est ça qu'on va viser. Hein, c'est ça qu'on va viser pour de l'autofinancement. Donc voilà, on va aller voir. Les amis, regardez, pour commencer déjà, on est sur de la smart home. Donc, entrée digitale. Ok. Voilà. Réglage de tout ce qui est clim, d'ouverture des rideaux. Ici, top. Tout se passe ici. Okay. On est sur un standing similaire à ce qu'on va trouver chez Samana. Okay, ah ouais. La donc, cuisine, elle est canon. Voilà. Donc ici, une cuisine équipée. Complètement équipée, TK, okay, okay, avec un frigo en casserole. Ouais, d'ailleurs, top. Si tu as soif, tu peux. C'est comme ça. Okay. Voilà. Donc là, plein de travail. Tout ça, c'est livré conformément, d'accord, à ce que tu vois, okay, vraiment à l'identique. En revanche, donc là, on est sur du une chambre, okay, on n'est pas sur du studio. D'accord. Okay. En revanche, bien sûr, le design, c'est-à-dire ça, tout ce qui est... Ouais, ça oui. Voilà. Ça, c'est pas pris en compte. Non, hein, c'est pas pris en compte. Ils nous vendent de les murs bruts, quoi, sans exactement, revêtements. Exactement, le mobilier, toujours pareil aussi, il n'est pas livré. D'accord. En revanche, la cuisine est équipée, j'ai bien insisté là-dessus. Ok. C'est pas plus mal, hein, comme ça, on fait notre propre déco, moi, je voilà, préfère. Exactement, et nous, on s'occupe de ça aussi, on a une designeuse c'est à l'agence. C'est bien, ça. Okay, encore une fois. Donc okay, voilà, le salon, la pièce à vivre. Ouais. Ok, maintenant, on passe sur la chambre. Ah, elle est spacieuse, hein. Très spacieuse, avec une salle de bain qui va être privée, comme dans toutes okay, les master bedrooms. Ouais. Ici, on a le
Dressing, canon. D'accord. J'aime trop le côté voilà. Vitré. Comme ça, ça s'est livré avec le vitré. C'est livré exactement magnifique. Comme ça. Okay, ok. C'est la même chambre, le même dressing. Ok. Et là, il y a la salle de bain qui est dedans. Ok, je vais la montrer. Allez. Du coup. Donc pareil, hein, on a bien tout ce qui est lavabo, tout pareil. Toilette. C'est vraiment strictement pareil. Elle est vraiment magnifique la salle de bain. Je suis pas très marbre et tout parce que ça y est, genre en gros, j'aime pas trop, mais là celui-ci il est canon. Moi j'aime beaucoup. C'est vrai voilà, c'est, après, c'est chacun ça dépend des commandes. Donc là-dessus, en fait, ce que je vais vous dire par là, c'est que ici, sur du une chambre, c'est exactement ce que vous allez avoir sans le mobilier. Par contre, il propose un package. Si tu veux strictement la même chose, tu payes le package 25 000 dirhams. Me semble-t-il. On va l'écrire ça comme ça, au moins le savent. On va mettre les différents packs. Exactement, et tu as la même chose. Okay. Donc ça, on est sur du one bed. Le one bed coûte 250 000 euros. Les amis, donc toutes les informations sont dans ma story. Si je n'ai pas divulgué assez d'informations ici dans la story d'Anissa, ajoutez-moi, il y a tout. Il y a le WhatsApp ici. Donc c'est vraiment le projet pour les petits budgets, les petits tickets, les tickets d'entrée sur lesquels se positionner en ce moment à Dubaï. Jusqu'à fin novembre, on a des remises, des discounts, jusqu'à 8% de remise ici sur ce projet-là. Après, en décembre, la remise ne sera plus prise en compte. Donc, c'est maintenant que ça se passe, les amis. Il faut en profiter, les amis. Faut en profiter. Et si vous avez n'importe quelle question, ajoutez cette semaine et posez-lui la question. Ça va être plus simple, c'est plus fluide. Mais normalement, on a tout résumé. On a tout résumé, de toute façon. Exactement. Donc, voilà. Merci. Ma sœur, tu me fais confiance ou pas ma sœur? Là, il n'y a pas de ma sœur, pas ma sœur. Je vais vomir. Il faut que la personne ait un gage. Je vous jure que c'est pas bon. Bah, défends-toi. Moi aussi. Je fais un gage. Je vais vomir. J'ai l'odeur. Qu'est-ce que c'est vraiment elle? Vu de la réaction qu'il y a mis à un moment donné, j'ai vu que t'as fait une tête bizarre. Tu seras, tu parles trop. Alors putain, non, tu parles pas. Si tu votes contre moi, je vote contre toi. Si tu votes pas contre moi. Je vous explique. J'étais en train de me faire masser sur la table de massage. Skena m'a soulevée, elle m'a dit « On va manger avec les filles !» Je me suis préparée en combien de temps? 15 minutes. Chrono. 15 minutes à ma maquiller vite fait. J'ai mis une tenue, je suis dégoûtée parce que j'ai mis une tenue, mais ça traîne trop, bon, tant pis. J'ai oublié mes chaussures, mes talons en franges, j'ai pris des talons en Skena qui font 5 cm de plus que ma taille. À part ça, tout va bien. Quoi? Elle a plu, elles sont up. Ah, ok. Regardez les fiches avec qui? Soirée entre girls. Les filles, regardons, on se fait un petit resto avec les bons. On va bien manger. Soro, je te compte parmi nous pour le voyage? Oui, je suis là. Super. Yasmine? Je te compte parmi nous.